Allez, je suis en train de faire l'équilibrage du son. Est-ce que tu peux parler, Hendrik, s'il te plaît? Coin, coin. Un coin. Coin, coin. On va désactiver ça. Coin, 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 coin. Il faut aussi qu'il n'y ait pas notre retour de son. Ouais, je sais. Je pense que ce qui serait utile pour ça, ce serait qu'on chope un de casque ou. Casque, tu sais qui. Pas ton casque. Ouais. Jack. Qu'est-ce qu'il fait ça? Oui, non, non, c'est chiant. Ça. Je suis en fer. Alors. Vas-y, parle. Aussi que tu te mettes quand tu fais ça comme t'es quand tu stream en fait, c'est-à-dire pas pencher vers moi. Sinon ça marche pas. On peut aussi baisser la son du jeu. Il parle. Un coin. Encore. Il a pris du. Encore. Coin, 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 coin. Coin, coin, coin. Ouais, tu vois là. Voilà la jauge là. Il faut qu'elle soit pas du tout ici, donc il va falloir que tu parles plus fort, mon cher. Coin. 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 Ok, et ben on est rendu. On n'est pas rendu. Papa, la papa, papa, papa. Mais si tu vois, je le fais bouger le truc quand je parle. Ah regarde. Voilà. Et on va lancer le jeu tout de suite. Voilà. On a encore le Bob. Il est là. Salut à tous, les petits amis, c'est Crital et Hendrik, on se retrouve pour le coup de service sur tout à l'heure, c'est parti. Mais... Miaou. Top. Ah oui, alors du coup c'est moi qui appuie sur Start. Je crois que je puisse être joueur 1, Start Game. Lucas, Ray. Campagne. Player option. Quelques... Et ça. Et du coup, on a dit que c'était pas le bon chef quand on. Oui, moi j'ai pas le bon chef. J'ai la blase d'Inette. Tu vois, il est pas mal, il tirait bien. Hein. Elle, ah, elle. C'est une rose vidée. Vidée. Ça va peut-être pas cliquer en fait. Elle. Rien. Voilà, c'est elle. T'as déjà fait le tour une fois, hein, donc sais. C'est forcément elle. Hein. Y a qu'une seule blonde vidée. Hein. Mais c'est pas le visage qu'elle a, donc. Parce que. Ben, remets-moi. Non, c'est bon. Elle, là, voilà. Une autre dame complètement vidée. C'est ça, de toute façon, tout le monde est vidé dans ce jeu, même nous. Même la nourriture. Alors, on est parti, on a envie de commencer. Ah oui, un petit Subway. les petits sandwichs. Attends, alors on va commencer peut-être par un truc un peu moins compliqué. Non mais non. Non, on est des travailleurs, c'est parti. Je pense que c'est bon, hein. Voilà, il y a pas besoin d'échauffement. On est parti. On est tipeur. Ouh. Eh. Les petits cookies. Candy cookies. Les cookies. Aux bonbons, aux Smarties. Alors, oh là là.
Oh là là, roast beef, cheese, filet, tomate, oignon et rosemary bread. Je sais pas trop ce que c'est. Tuna. Jambon d'un bacon, ça me donne faim tout ça. Fromage. Ah, bacon. Provolone. Oui, bread. C'est pas mal. Oh là là, c'est la vidance, la madame sur la table là. Elle a l'air un peu fatiguée, ouais. Il est 9h, c'est difficile. Hein. Non, c'est lundi. Cheese, lait, tomato, c'est vrai. Ose me dire que c'était pas difficile ce matin quand le réveil a sonné. Il est vrai que c'est lundi. Ah, ce matin, c'était l'horreur. Oui, donc du coup, à la pharmacie, les pharmaciennes, c'est la lenteur absolue, quoi. La pharmacie d'en bas, c'est terrible. Tomber sur la dame qui a les doigts en pâte d'araignée. Non, je ne crois pas. Je suis tombée sur quelqu'un de très lent. Mais de toute façon, aujourd'hui, il n'y avait que deux pharmaciennes qui étaient là pour servir. Et elles étaient très, 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 très. Sandwich au thon. Oh non. Sandwich au thon. Et les gens, ils font des combinaisons bizarres dans leur sandwich quand même. T'es pas là pour juger. Non, on est Je ne bouge pas. Je dis juste que moi, je le ferai pas. En même temps, je pense que quand je vais à Subway, c'est des combinaisons bizarres. C'est possible, oui. Ah, je crois que tu me rappelles, je crois que c'est une sauce oignon miel. Je crois que c'est pour ça que j'adore cette sauce. Ah, j'ai raté. Ah bah me ravale. Tu sais ce qui se passe quand on rate. Ouais. Je sais ce qui se passe. La fontaine à boisson. La prochaine fois, je t'aiderai pas, ce sera plus simple. Oh bah, d'accord, très bien. C'est quoi que t'as fait en 5? C'est un side? Oui, c'est un side. Y'en a que 4? C'est un peu nul, les sides qu'on a. Allez, on s'équipe. Là, tu le mets direct, t'attends pas la fin de la partie. Ah non, j'ai glissé. C'est un peu beau, tu vois. Je suis content que ça soit toi qui ouvre, parce que je pensais que ça allait être moi. Je pense que la recette que j'ai faite de soupe s'appelle B tortilla parce qu'il faut tout le temps appuyer sur B pour la fabriquer. Mais c'est parce que tu joues à la manette. Un petit sandwich, c'est plus facile que... Thank you.
Il a ultra chargé son son de Michu. Suisse, il est tué. Oh, petit niveau. C'est lui qui avait eu l'idée pas du tout audacieuse de la mettre sur le balcon. C'est bon malin. Quelque part, il assume ses actes. En même temps, quelque part, personne ne s'en est occupé pendant 2 semaines non plus. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Et c'est la fin de la journée. Avec 42 Delicious Orders. Je vais boire un petit coup de café, tiens, je te laisse la manette pour faire les menus. Ouh oh, je... C'est moi qui les contrôle. T'entends quand je chauffe dans mon café, ça fait un bruit d'hélicoptère. Tu sais que c'est vrai. Oh, c'est très Bob Rossesque. Rose Bobesque. Ah, on a débloqué un chez Popper et Crunchies. Ah bah c'est super. Que de la friture. Moi, un restaurant où il y a que de la friture, ça m'irait super bien. C'est parti. Pas possible. Ça va pas être possible début, de faire ça. Ça marche, et voilà, t'as envoyé alors qu'il n'y avait pas les sides. Eh, jeune homme. Zou. Belle. Ça va être une bombe. Tranquille pour moi. Tu as un micro dans le nez? Non. Tu restes de l'autre côté de la table, toi. C'est pas possible que tu regardes. Tiens, si tu veux, tu tiens une chaise juste au bout de la table, comme ça tu pourras regarder. Sans préparation préalable. J'arrête, fais silence. D'accord, c'est juste ça qui est comme ça et c'est tout. Ça va, c'est une journée de la calme. Et du calme. En même temps, c'est le premier shift, c'est souvent. Oui, bah pour les sushis, c'est clair, on peut dire ça comme ça. Je suis désagréable. Ça m'énerve. Non, comme ça. Pa-pa-la-tum.
Claire qui s'est endormie sur son banc. Ose dire que tu ne ferais pas pareil. Peut-être que tu parles. Parce que je t'assure que tu t'endors toi-même partout, n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. Et voilà, tu l'as envoyé pas cuit. Tiens. Je te l'offre. Hein? J'ai kissé, chef. Bah écoute. Mets le chapeau, chef. Ça quoi, la journée elle est trop facile. Ah si, tu peux le faire a priori. T'as l'air vraiment triste. Mais oui, je suis vidé. Comme ton chef. On voit pas d'ailleurs. Ouais, on les voit presque pas, c'est dommage. Ça serait cool qu'il y ait des petites animations sur les... sur les chefs. Tu ne veux pas trop en demander à Dev Shobigan. C'est en train de cuire, mon cher. Parfait. Du coup, moi, ce que je te propose, Tommy, c'est que quand on revient de... quand tu reviens de... d'être parti, on se fasse un Kentucky Fried Chicken, tu vois. Ah oui, complètement. Kentucky Fried Cholestérol. Ah là là, tu te rends compte qu'on a une médaille d'argent sur cette journée hyper facile. Je me demande à cause de qui. T'es plus mon pote. Qui est venu se rendormir, tu vois, genre c'est... après le repas du midi, c'est la petite sieste. Oui, sauf que ça, c'est le repas du soir, mon cher. Café ? Oh là là. Mais c'est pas grave, on gagne quand même des piments moches. Oh là là. Des piments moches. Alors. Pyrite, on... Je pense que... Oh. C'est toi qui fais les cannolis, hein. Ok. Comme ça, c'est pas moi qui rate la journée. sauf en envoyant des trucs pas cuits, quoi. Ah ben, cookie. Peanut butter. Petit cookie au beurre de cacahuète. Je suis sûr que tu adores ça. Voilà, écoute mon fils. Pas qu'on l'entende sur le stream. Oui, mais toi tu peux l'écouter, puisque t'es pas sur mon stream. Ah, j'ai oublié de faire des cannolis, neuneu. Ce que tu viens de faire n'a aucun sens. Tu vois, les cookies, il y en a 8. Pas mal. Ça se prépare pas instant. C'est le seul site qu'on a. Cannolis, c'est toi. C'est. Ok. Cannoli, chocolat. Cannoli, pink.
cherry. Chocolat, sucre. Canoïs. Ça doit être relou à faire les dessus de tarte en croisillon comme ça. C'est pénible. La réponse est c'est pénible. Mais en fait, quand tu étales ta pâte en carré et qu'ensuite tu la cales dans un plat rond, tu cales juste les chutes sur la tarte. C'est un restaurant qui vole, t'as entendu? Quoi? Bah tu gardes le chapeau, c'est pas grave, hein, j'ai envie de dire. Faire des âneries, Claire. Non, mais d'envoyer le truc. J'arrive pas. Tu sais que je vais jamais m'en débarrasser du jeu. Tu sais que c'est bon, tu l'as une fois. Voilà, j'en ai bien profité. C'est comme ça qu'on fait. Oh là là, le tryharder, genre. On va y arriver, hein. Ah, mais tu prends quand même le chapeau? Bah oui, j'ai cassé. C'est moi qui ai foiré la journée en premier. Mais c'est pas grave. Ok. Si tu veux. Faut bien que je le prenne de temps en temps, parce que sinon tu vas tout le temps l'avoir sur la tête. Sur le tutu, chapeau. Chapeau pointu. Plus ou moins pointu, voilà. Alors, les cookies. On dit. Cranberry. C'était pas ça. Cranberry. Elle est. Je vais te faire des cookies. Celui-là. La tarte à la cranberry. Il faut les cannolis. Cannolis. Il t'ordaille. Il a l'air vachement déterminé, le type, c'est avec clair, son tigre. Tellement déterminé. Oh. Manger ou mourir. Apportez-moi tout ce qu'il y a dans votre cuisine. Non. Eh ben, je croyais que c'était moi qui prenais les cannolis. Ok, c'est bon, je touche plus à ça. Tout. En fait, le problème que j'ai avec les cannolis, c'est qu'au clavier, leur ingrédient n'a aucune logique par rapport aux ingrédients des autres plats qu'il y a à côté. De manière générale. Mmh. Genre quand t'as les cannolis avec les glaces, et ben c'est l'enfer. Mmh. Parce que toutes les touches chocolat sont différentes entre les cannolis et les glaces. Blueberry. C'est quoi ça, c'est elle ? Oh, le bruit du truc. C'est quand même la personne qui vide le lave-vaisselle le plus vite au monde, quand même. Oui, il y a quelqu'un qui s'est endormi. Bien sûr, ça arrive. Quand on travaille dans un restaurant qui bol. Non. Eh bah, écoute, c'est dommage. Voilà, donc il n'y a plus de tiramisu. Ça arrive tout de suite. Ça va, y'a tout le monde qui en veut, quoi. Mais pourquoi je fais ça? Bah parce que tu sais pas. Commence pas, hein. Oh, ça me fatigue. Ça me fatigue. Commence pas. Ça me fatigue. Ça met une tonne de temps à cuire le tiramisu. Faut qu'on cherche ce que c'est le millionnaire. Alors je crois qu'on avait déjà regardé. Ah oui. On a déjà regardé. Et Reina avait dû me répondre. Après, c'était la semaine dernière, moi je me rappelle déjà pas. Alors, des morceaux d'orange. Déjà plus. La grammaire. Tout ça. Pauvre grammaire. Vanille. Le temps de cuisson du tiramisu. Et c'est ce que je disais. En fait, c'est pas le cuisson, il faut le laisser reposer. Coucou Chiro, comment ça va?
Mais pourquoi je fais ça? Non, je sais pas. Je crois que tu... Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Est-ce que tu as acheté un four, Shiro? Tu as un four. Oh, on va en faire plein de bons trucs à manger. Comme des tartes. Par exemple. Un smoothie. Oh, t'as vu, il y a un cannoli. Tu veux pas l'attraper? Non. Non. Et un peu de sucre en poudre. Caramel, sucre. Faut vraiment que je regarde ce que je fasse sur le clavier, quoi. Vanille. Faut que je regarde ce que je fasse. Ouais. Non. Oh non. Il y a plus de tiramisu. Oh non. C'est bon, il y a encore suffisamment de teinte. La lenteur quand je fais les cannolis, quoi. C'est pourquoi je les fais pas. Ah. Ça arrive le tiramisu. Non, mais... Ah, c'est bien, au moins tu l'as pas raté une fois. T'es sûr que tu le fais plusieurs fois, quoi. C'est consistant. Pourquoi je fais ça? Bah, je sais pas. Ça arrive de faire des âneries. Cannoli, vanille, chocolat. Chocolat, chocolat. Cannoli, vanille. C'était une, c'était une commande à chocolat, moi, ça, non? Non, parce qu'il n'y avait pas de chocolat à l'intérieur. Ah, pas possible, alors. S'il n'y a pas au moins 3 doses de chocolat, c'est pas moi. On devrait être bon, là. Je vais mettre des sides. Voilà, c'est la fin de la journée. J'ai bien ruiné la game, tout ça. Mais non. Mais si, si, si. Voilà, tu vois, là, j'ai appuyé sur deux touches en même temps. C'est pas la bonne qui est passée, donc j'ai envoyé une commande bof. Je pense que c'est parce que j'ai pas bu un grand verre d'huile d'arachide. Du coup, je suis pas en forme. Faut que je te refasse du maté. Ça sert à rien qu'on ait que je pardonne. Non, c'est pas un four, c'est un lave-vaisselle. À ton avis, tu fais comment pour une tarte, genre comme ça au mur? Les vernis, ça se conserve. Je les empaille. La tarte empaillée. Allez. Et vous faites quoi dans la vie? J'empaille des tartes. Ah bah tiens, regarde, tu vois, ça va être l'enfer. Ah non, oh, je m'en rappelle de ces petites, les petits trucs. Tu dans veux garder ton banane, hein? Dans les petits machins. Oh non. Oh non. Oh, il y a une chaise. Bah oui, il y a une chaise. Je m'approche un peu. Il paraît que je suis assis là. Je vous trouve bien désagréable. Alors, on va faire des black beans, voilà, parce que voilà. Thierry Connard. Oh, j'ai envie de manger des... Non, c'est les frites les plus pratiques. On sait pas. Tu les connais, les haricots noirs? Oh, et Lorena. Coucou, Lorena. Des os d'honneur. Des os d'honneur. C'est quand t'as pas d'honneur et qu'en plus t'es désolé, tu vois. Alors, green pepper. J'ai envie de manger du chili, du coup. Oh là là. Sauce. Bon courage, hein. Corn, chicken, carottes. Je te laisse cela, hein. Cover. Ah bah oui, bah merci. Comme ça, je vais bien garder le chapeau. Chut. Vous avez vu l'exploitation, hein? Vous avez vu? Ah, Rena, c'est la fatigue. La fatigue non assumée. Ah, je l'ai réussi. En plus, ce qui est bien, c'est que ça cuit bien pendant 150 ans, donc t'as bien la pression. T'as deux mains à gauche, oui, ça se voit, Rena, ça se voit. Il y a une lettre par phrase qui saute. Niam, niam, niam. Ouais. Toi aussi, hein. Non, ouais, j'ai deux bouches gauches, tu vois.
va falloir prendre la vaisselle. Et comment ça va du coup, Rena, à part le fait que aujourd'hui les mains c'est compliqué. Il y a des sandwichs. Oui, il y a des petits sandwichs avec du poulet frit. Il y a même énormément de sandwichs avec du poulet frit. Spicy. Pickles. Oh, bah c'est facile. Oh, la difficulté. Chicken. Sauce, pommes, carottes, brocoli, céleri. Tomate, pickle, topen. Je te préviens, quand là-dessus, je suis lent. Tomate, pickle, topen. Bah, du coup, écoute, c'est bien pour ça que je t'aide. Hein. Chicken, laitue, bacon. Tomate, pickle, top bun. Bien, on n'a pas le choix entre les top bun, du coup, pas de prise de tête. On va refaire des frites. Brocoli, céleri. Petit pois. Ah. Oui, effectivement, je suis aussi fatiguée. Ah non, il n'y a plus de. Il n'y a plus de poulet. Hop, hop, là on va faire un chili. Y'a plus de pierre. Y'a plus de pierre. Y'a plus de pierre. Y'a plus de pierre. Tic. Touk touk. Oh là là, oh là, c'est. Rena va bien. C'est cool. Et bien nous ça va bien aussi. Même si on est un peu fatigué. Voilà. Ce matin c'était compliqué. Un lapin. Ce matin, un lapin. A manger un chasseur. C'était un lapin qui n'était pas très vegan. C'est un usine. Un usine. C'est une arme qu'il y a dans Pugbe, non? Ah, ben ça c'était raté. Bon, ben voilà, ben, je garde mon chapeau. Hein. Et je m'y attendais pas du tout. Mais regarde ça aussi, regarde les trucs qu'il te manque de faire. Le mec il veut que je lui mette tout dans son truc là. Comment je fais rentrer tous ces ingrédients dans une petite verrine comme ça? Tu tasses. En même temps, regarde, t'as l'air de mettre genre 4 petits morceaux de carottes. C'est pas faux, y'a pas grand chose dedans. C'est normal qu'ils en demandent beaucoup, tu sais. C'est un truc qui me fait pas. La sauce à la crème là, ça me. Pas l'air bon. C'est normal, elle a l'air très très liquide. Le petit level up, c'est bien. Cool. Ouais, ça, c'est l'autre consolation, c'est ça. Rage pas. Ouais, je rage pas. Ah mince. J'étais au chili. Oui, petit, Aline, pepper. Oui, mais toi, t'es pas puni parce que tu le rates. Et voilà, t'as envoyé un truc pas cuit. La journée, il faut aller chercher mes lunettes. C'est toi qui aimais bien les salopettes comme ça, non? Ouais, j'adore cette salopette. Elle est trop bien. Enfin, je sais pas si c'est une salopette, du coup. Mais je pense qu'on peut appeler ça salopette, ouais. Mais j'aime bien. On peut même appeler ça très pénible pour aller aux toilettes. Sur 20. Pète.
Alors, lunettes. Toi, va voir te moucher. Et ben voilà, on a livré, on mène des petits machins. Comme un superbe comptoir. Ou... Oh, belle lampe. Ça va sympa. Magnifique tableau. Regarde mon petit Bob. Il y a de la décoration, hein, y en a plein. Hein. Est-ce que toute la décoration est classe? Ça, c'est une autre question. Ah, on a débloqué un sub-solution. Alors ça en fait 3... Il y en a deux, mais c'est absolu. Pas deux, il y en a trois. Slamise. Parce que je suis un cochon. Alors, vas-y, red cab. Red cab, ciseaux. Eh oui, il faut attendre. Ah, y'en a que 3 des rimes. Ah oui, les rimes c'est RAS, c'est facile. Et oui, parce que sur moi, tu vois, même tout ça, je le mange, je pense. La plaquette avec tous les os et tout. Ah oui, mais bien sûr, mais quand les rimes, tu manges le. M'expliquer pourquoi est-ce qu'on est dans un restaurant de charcuterie qui a des poissons dans le fond. C'est old fashioned, c'est pour ça qu'il y a des poissons et un cow-boy. Il y a aussi une boule de bowling qui fait oh. Ah, les poubelles direct, le lave-vaisselle. Ah, il y a la salade de pommes de terre et ça c'est bien. Oh, tu sais ce qu'on pourrait faire? On pourrait aller avec Amine pour fêter votre nouvel emploi à Yann et à toi. On pourrait aller aux trois brasseurs. Pas d'objection. Faut prendre la vaisselle. Peut-être que tu récupères un logiciel sur CD-ROM pour t'apprendre à faire de la... Non mais il y a des trucs en ligne, pas des trucs. De la typo. C'est... Il faut que j'apprenne à taper sans regarder mon clavier. Ce qui est fort peu évident. C'est clairement pas simple. Hein. Essaye de pas envoyer tout de suite. Le pain, il a l'air pain, tellement est... fatigué, quoi. Le pauvre petit pain, genre c'est. On dirait que c'est le pain de la veille. Mais non, c'est, tu sais, c'est les tout petits hamburgers du dôme là où ils sont tous fatigués, les pauvres petits. On dirait que c'est le pain de la veille. Ils ont été empilés un peu n'importe comment. Dégorage. Alors, je l'avais jamais capté, mais il y a pas de fenêtre dans ce magasin. Eh oh, ben c'est non. Tellement anxiogène. En même temps, peut-être que s'il y avait des fenêtres, ça serait pire. Si, il y en a une, regarde. Là.
En haut à gauche. C'est nuit qu'on n'y voit rien. Ah. Ah regarde, tu vois, quand il y a des éclairs, ça fait pas de lumière. Parce que ça se trouve, on est genre au deuxième étage, et au deuxième étage, vu qu'on est au milieu des tours, on voit rien. C'est la nuit complète. Non mais c'est vrai, hein. Genre il y a tellement de bâtiments qui fait nuit même en plein jour. Ah c'est un peu l'idée. Ah oui, le retour du restaurant avec 6 assiettes. C'est ça. En même temps, je crois que tous les restaurants dans ce jeu ont 6 assiettes. Hein. C'est juste que quand t'as pas de vaisselle, c'est que tu l'utilises pas. C'est que tu si ça se trouve, ça est en sous-sol. Voilà, tu vois. Il y a une explication tout à fait logique à ça. Il y a un petit derrière qui a en mode j'ai faim. Ça a l'air bon. Je mangerais bien ça. Oui, et ben ça tombe bien parce qu'on a absolument rien dans le frigo. Donc du coup, on va manger des pâtes. Patientez, s'il vous plaît. Non. Oh non, il y a celui qui cuit une plombe. Qui en rade. Oh là là, le temps de cuisson de ce machin. Et ouais. 3, 4, 7. 3, je prends 4. Oui, c'est bon les pâtes, on est d'accord, c'est bon les pâtes. Bon, oui, c'est bon les pâtes. Le problème, c'est que ça fait un peu presque tous les midis qu'on en mange en ce moment, donc... Oui, on va faire les courses cet après-midi. On va manger avant de faire les courses. C'est frustrant, hein, quand on prend les tâches ménagères sous ton nez. Ha ha. Eh. Ah, tu peux l'enlever. Bien bah oui. Je... On a rien raté. Parfait. Ça glisse. Pourquoi ça glisse? Alors que ça glissait pas tout à l'heure, c'est parce que je le mets. Fire Kicker, on en a 3. Ah! Ah ben, c'est ça. Esteban. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Petit pavé là. C'est pas le Tres Leches? Ah oui, c'est le Tres Leches. Oui, Tres Leches, c'est vrai en plus. C'est pas un truc français. Ah ben écoute, ça va être une journée compliquée pour toi, mon cher. Oh vraiment, j'avais hâte. Parce qu'il y a rien à préparer. Faut... Ah oui, c'est vrai. Faut taper. Oui, c'est vrai, il faut tapoter. Faut faire. Et... Voilà. Il faut. J'ai tout fait. Faridas. Oh là là, c'est l'enfer. Du coup, Faridas, ça veut peut-être dire petit morceau. Ça a rien du tout. Une lamelle. Il y a James Bond. Insérer ici une blague raciste. Hein? Pourquoi? Je sais pas, parce que je me suis dit que avec le Faritas ça veut dire ça. On va faire une belle racine. Ah bah c'est cool, c'est envoyé direct comme ça. Alors que ça pas du tout. Ilk. Ok. La première fois que je le fais. Alors celui-là, c'est double préparation. D'abord. Il faut autant de bruit. C'est quelqu'un dehors. Chocolat. Et chantilly. On dirait la machine qui nous trame en fait. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on l'entend à cette heure-là? Bah, ça arrive parfois que ça passe en journée. Alors, ça se prépare. Oignon. Chicken. Green pepper, red pepper, yellow pepper. Ça a l'air pas mal ça. Oui, ça a l'air super bon. Quel gâteau? Ah! Je pense pas que ce soit possible qu'on en trouve, mon cher.
Oui, mais dans mes magasins où on va, on trouve pas d'huile concentrée sucrée. Avec votre petite part du gâteau, vous prendrez bien une pomme de terre. Biscuits, tomate, oignon. Oh là là, oh là là, il y a tout qui arrive en même temps. Coco, chocolat, oui. Black beans. Milk. C'est salade. Chocolat. Huile, oignon, vanille. Ah bah d'accord, c'est toujours le même pour l'instant. De quoi? Le tres leches? Ouais. C'est juste que t'as pas eu. Non, c'est en pas fait... le tres leches, c'est pour les faritas que je disais que c'est toujours le même pour l'instant. Des petits trous. Je sais pas c'est toi qui c'est toi des petits trous, juste. Des petits trous. Faritas ça veut dire faritas et ça vient des États-Unis et non du Mexique. Ok, d'accord. Je dis ça parce qu'ils appelaient ça du beef faritas dans le jeu, donc je me demandais si ça avait un rapport. Et du coup, c'est quoi le nom original mexicain de ces plats? Enfin déjà, est-ce que c'est des plats qui sont d'origine mexicaine du coup? Ou est-ce que c'est de l'arnaque? Et est-ce pourquoi que ça serait de l'arnaque? Si c'est bon, c'est pas de l'arnaque. Oui, mais c'est pas d'origine mexicaine du coup. C'est peut-être originaire des États-Unis, mais des communautés d'origine mexicaine qui vivent ensemble, tu vois. Donc, je remets en question le fait que ça soit bon. Je remets en question le fait que si tu vas manger dans un Tex-Mex, tu vois, Tex-Mex. Ah ouais, Tex, ouais, non, bah effectivement. Avocado, c'est fait. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi, je suis nouveau, hein, je connais pas encore tout. Avocado. Hein. En fait, les faritas c'est inventé aux États-Unis, le burrito c'est mexicain, d'accord. Et la différence, c'est que je crois qu'il y en a un qui a une tortilla qui grossit, non? Non, ça c'est le tacos. Ah, je comprends. Le tacos, c'est la galette. J'en ai jamais mangé ça encore. Hein. Ah ouais? Mais en fait, c'est bon, mais c'est pas pratique du tout à manger, quoi. Parce que, tu sais, t'as une espèce de galette, en fait, qui est comme ça, ouais. Pliée en deux et solide. Et le problème, c'est que tu mords une bouchée dedans et t'as toute ta galette qui te pète et t'as tout qui se met par terre. Du coup, c'est un petit peu relou. Oignon, haricot rouge, mozzarella. Ça a l'air super bon ce truc. De quoi? On l'a tous compris, ça a l'air super bon. Le très léché, c'est ce qui me fait le moins sympa. Bah, faut aimer, à mon avis, les trucs très très sucrés. Hein. Donc, celui au chocolat. Ça m'étonne, tiens. On veut celui avec du chocolat et du chocolat sur le chocolat. C'est pour dire que les gens sont contents. C'est ça. Il n'y a jamais rien. Soit ils sont très contents, soit ils sont contents, soit ils sont pas contents, mais ça marque aussi qu'ils sont pas contents. Du coup, les petits smileys, ils sont tristes. Les petits visages qui vont apparaître. C'est la fin de la journée en fait. Yes. Nice. Ce qui est bien, c'est que Rena, c'est un peu notre page Wikipédia quand on joue en fait. Mm. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que c'était l'avant-dernier truc de la journée, quoi. Non, quand on a le chapeau, c'est qu'on a perdu. Votre service. Le service ici est impec. Le service est impec. Alors,
Le Subway, on en est où? 4. On remonte. Ça fera 12 000 euros par contre. Le plus haut, là où on est 3. Non, regarde, lis ce qu'il y a écrit. De dire que j'ai raté une commande. Tennis foot, on est où? Mais fais dans l'ordre. Mais non, mais c'est bon. Ah, tu veux voir où est-ce qu'on en est? Voilà, là, Breakfast Break Loose, il y en a que 3. C'est le minimum. 4. C'est le minimum. Ah, donc on fait pourquoi Breakfast Break Loose. Comment ça se fait qu'on a Breakfast Break Loose? Allez, on va. Oh là là, fou. Bah, 12 000 euros, mais c'est par an ou c'est à vie? Comment ça c'est marche? C'est par semaine. C'est, quoi? C'est au forfait. J'ai fait du bac. Oh, des œufs. Des œufs au plat. Mais non, il y avait pas. J'ai préféré manger des petits hot dogs, tu vois. J'ai plus envie. 12 000 euros par service rendu, bah on n'est pas rendu justement. Hein. Egg base, mozzarella, tomate en dés, champignons, oignons, ça va. Des gens qui commandent pas 50... Une omelette avec tout, deux fois. Il faut que ça me fasse le petit déjeuner, le repas de midi, le repas de ce soir, parce que j'ai prévu de rien manger. Eh non, il n'est pas en colère. C'est pas parce qu'il fronce les sourcils qu'il est en colère. Lui, si. C'est ça ? Pourquoi il fronce les sourcils? Peut-être parce qu'il a une journée qui est difficile, peut-être parce qu'il est fatigué. Les muffins à la banane, les cupcakes à la banane. Oh là là. Grape, cantaloupe, apple, tangerine. Cupcake à la banane. Ah bah oui, mais cupcake à la banane, oui. Ah les os, c'est déjà prêt. C'est pas une grille. Va donc te moucher, toi. On va jouer jusqu'à 14h si tu veux regarder. Mince en 1, merci. Si tu veux regarder l'heure, on va jouer jusqu'à 14h. Oui, surtout après on va aller manger. Oui. Retourne derrière s'il te plaît. Non, le premier niveau n'est pas hyper méga facile. C'est un jeu qui est compliqué, qui est difficile. Oui, il faut savoir lire, mais c'est pas que le souci. Faut savoir lire, faut lire vite quand même. LMRA aussi. Mais en même temps, c'est normal. Tu passes ton temps à lire. Grape, apple, strawberry, kiwi. Derrière. Et je t'ai demandé de te moucher, c'est pour ça que tu t'étais mis debout à l'origine. Fromage. Red, yellow. Ah, j'ai faim. Oui, d'accord, si on n'est pas encore prêt, après manger, tu es habillé suffisamment vite, tu pourras essayer d'y jouer, oui. Oui, parce que...
toi, s'il te plaît. Dans la poubelle et la cuisine, s'il te plaît. Egg base, fromage, tout-ti. J'ai encore poussé. Chef. Heureusement. Ça n'avait pas d'incidence. Il a vu les tout-dessous et du coup maintenant il pense que c'est un jeu asiat du fait qu'il y a des caractères asiat dedans. Bah, moi ce qui me rend un petit peu triste c'est qu'il a dit très précisément chinois. Bah oui mais bon c'est normal. Parce que les clichés, tout ça quoi. Tu lui as pas appris. Ouais. La différence entre les caractères. Je ferai appel à Alice. C'est pas moi. De toute façon, j'avais déjà cassé la journée. Hein. Je sais pas si on a plus de 4. Voilà, sinon, chez vous aussi, vous pouvez jouer avec nous. En répondant à une question simple, vous avez des possibilités de gagner des bons d'achat Cdiscount. Voilà, vous pouvez envoyer la réponse à la question suivante au 38 7242 899 412 248. Qui a porté le plus le chapeau aujourd'hui? Ah, magnifique mur. Pour la modique somme de 145€ plus le prix d'un SMS. Et ben en avant. Valable uniquement en France métropolitaine. Ah oui, hein, parce que bien sûr, les DOM, voilà. Hein. C'est pas le même. Chaque restaurant a des menus différents. Et donc là, on a commencé un autre menu. Tu comprends? Si, ça comme question. Oui, c'est ça. En même temps, vous remarquerez qu'à ce genre de jeu, il file toujours une question facile. Hein. Le but, c'est qu'il y ait le plus de gens possible qui participent, hein, et pas que les gens se creusent la tête. Parce que bon, sinon, ça rapporte pas d'argent. Ça, c'est compliqué. Ça me fait très envie, mais c'est compliqué. Et du coup, ça c'est les tacos. Oh, au courage. Cette journée va mal se passer. Hein. Je te le dis, elle va mal se passer. Au but, c'est pas forcément que ça passe super bien. Le riz est presque ta cuit. Voilà, il y a une troisième page. Oh, il faut wrap et foil. Oh là là. Et tu vois là, c'est pareil, buff faritas. Donc je me demande si ça. Oui, tu l'as déjà dit. En fait, je pense que dans la question. Ah, c'est toi qui as pris le truc, ok. Je pense que dans la question, le plus difficile, c'est pas de répondre à la question, c'est de se rappeler du numéro auquel il faut téléphoner. Quoi? Pno beans? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Brown rice, cheese, tomate. Courage, parce que là, il y en a un qui va mourir. Fire saw. Foil. C'est lequel? Le 4? Le 4, il faut prendre le 5. Queso, sour cream, white rice, tomate, laitue, air corn,
Non, c'est pas Vrapoil. Oh, c'est pas celui-là, Vrapoil. 7. Faut que tu prennes le 2. Mon cher, je pense que cette journée va être compliquée. Non, on vient de perdre là, du coup. Et c'est un peu la faute à personne. Et du coup, ça veut dire que je peux pas enlever le chapeau parce qu'on fait pas une journée parfaite. Ça t'arrange bien. Oh. Lime. Chut, monsieur, là-bas au fond. Horrible. Oh man. Fire sauce. Bah voilà, on s'en est sorti. Tu vois, c'est facile. Le carnage. Bah oui. Y a plus rien dans les trucs préparés. Je sais. C'est un petit peu compliqué, hein. C'est-à-dire que les burritos et les tacos, ils sont tous les deux ultra complexes. Il y a 10 000 ingrédients dedans. Et ça va, on en a pas, on a raté qu'un seul pour l'instant, c'est ça ? On en a fait brûler qu'un seul. Et on en a fait brûler un ? Oui, on en a fait brûler un, mais du coup, on a raté un autre truc. Mais on en a pas raté. On a raté un autre truc. Ah bon ? Ouais. T'es sûr ? Genre une tâche ménagère qui s'est sauvée. T'es sûr ? Oui. Cheese. J'ai pas remarqué. Queso. Ce qui est bien, c'est que c'est que la troisième. Coucou Varenne. C'est que la troisième journée de ce restaurant. Y'a Varenne, il se moque de nous, mais Hendrix, en même il temps. Il est tellement pas fort. Hier, hein, Varenne, je t'ai proposé de venir jouer avec nous, et puis tu m'as dit non, mais tu sais, je suis vieux, je vais me coucher à 21h30, et du coup, je serai pas dispo pour jouer, blabla. Papy Varenne. Là, je te propose de les laisser le plus longtemps possible. Bah écoute. J'aime vivre dangereusement. Non, non. Biche. Ah. Bah écoute. T'as cassé la combo. Biche. Laitue. Fromage. Raté. Bah écoute, ça tombe bien que tu te sois planté parce que je me suis planté juste après. Y en a un qui brûle. Oui, et bah on fait ce qu'on peut, figure-toi. Les tue. C'est quoi? C'est 5. On dirait là. Poisson. Z sauce. Ça fait rigoler, parmi. Tomate, oignon. Petit peu salsa. J'attends un peu. Hein. Jamais, oui, mais j'ai bien dormi. Ouais, voilà, les burritos de l'enfer. C'est exactement ce qu'on disait. C'est exactement comme dans Overcooked, c'est les burritos des enfers. Oui, c'est ça. Ils sont où les bras en gris ? Queso. Il faut prendre les trucs qui sont en train de partir. Cristal, pardon. Oh là là, c'est la catastrophe. Ça y est, on utilise les prénoms, rien ne va plus. Mais si on a failli, ça veut dire qu'on l'a pas qu'on l'a réussi quand même. Romain qui arrive dans le Oh là là, je suis fatigué. Eh je ben suis oui. Fatigué. Varenne qui arrive dans le chat et qui crie directement. Non mais c'est lundi, hein. C'est... De toute façon, tu sais très bien que c'est un support, il est déter de base. Aucun respect, quoi. Là, il s'est de tomateau. Je sais même pas si on a une argent sur cette... Je crois que si. Visionnage quantique. Je sais pas quand est-ce que je vais être appelé pour une intervention. D'accord. Donc peut-être qu'à un moment on te parlera mais tu seras plus là, c'est ça ? Le truc c'est que tant qu'on le fait pas, on sait pas s'il est encore là ou pas. Et ? Il est à la fois là et pas là. Corn chip. Go Hendrix, team support. JPP.
Bah voilà, tu vois, on fait une journée argent alors que c'était franchement pas donné. Un superbe comptoir, une petite table. Et si, si, Tommy a cassé la combo, c'est pour ça qu'il garde le Bob. Subsolution, on est... Ah, il y a The Deep. On va pas en avoir beaucoup. Ah, The Deep, je crois que c'est le premier. Ah, il y a du gombo. Oh non, oh, ça va être l'enfer. Oh, j'espère que c'est toi qui prépare tout. Le gombo, c'est préparé à l'avance. Tant mieux. C'est un ragoût. Le gombo. C'est un ragoût qui vient de... Ah, la petite salade. La petite salade de bienvenue. De Louisiane. Oh, il y a de la friture de crevettes. Ah, 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 ah. Et fin. Ah, ah bah il y a le saumon. Oh non. Ah oui, et après il faut... c'est THB. S. S. Oh là là. Alors Maï, je crois que c'est... je crois que c'est assez logique. Hein. C'est T, R, M, B, A... Non, c'est mackerel, c'est le seul qui est pas logique. THBF. Oui, oh, il y a des petits gâteaux de crabe. Bah oui, mais vas-y, éclate-toi, hein, mets des emotes partout, hein, c'est... Je les ai mises parce que je trouvais ça rigolo. D'ailleurs, si t'en mets plusieurs, ça en fait rebondir plus. Si t'en mets plusieurs d'un coup, ça en fait rebondir plusieurs. Oui, c'est ça. Si tu mets plein de petits cœurs, par exemple, ça fait plein de petits cœurs qui sautent partout. Il faut mettre des espaces entre tes Artichaut emotes. Artichaut. Artichaut. C'est quoi Artisauce? C'est quoi l'Artisauce? Ah, Artisauce c'est R, c'est vraiment bizarre. Il égale le poisson au THB. Pas THC le problème plutôt? Oh, ces machins me donnent tellement envie. Ou GHB. Je pense pas la même lettre. On peut enlever le chapeau, oui, c'est ça. Oui, parce que du coup, il y a le petit derrière. Énorme. Ah mince, j'ai pas... Il y a la webcam qui est devant. Du coup, les émotes passent derrière la petite fenêtre de la webcam. J'aurais peut-être pas dû les enchaîner autant. Lobster sauce. Mackerel. Non. T'as foiré. Voilà. J'ai envoyé un truc pas cul. Chaud. JPP. Faut que je cherche, je suis sûr qu'il y a d'autres machins pour faire des trucs rigolos sur Steam. Raté. Yeah. Ah, c'est Tommy. C'est encore moi. Tommy, il a raté un truc. J'ai envoyé un truc pas cuit, encore une fois. C'est, en fait, c'est tout le temps ce que je fais. Hein. C'est tout le temps ce que je fais. Oh, j'ai tellement pas hâte d'être à cet après-midi. Mais je sais pas si le jeu, il est encore modable. Je suis pas sûr. Hein. Je crois pas qu'il y ait de mode pour le jeu pour l'instant. S'il est modable, ça serait rigolo de fabriquer nous-mêmes un mode. Le petit derrière, il dit ching 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 à chaque fois que tu fais du saumon. Voilà, t'as envoyé un truc pas cuit. Mais non, c'est, j'ai dû couvrir dans ce que j'ai fait. Voilà. Je me sens pas bien. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Comment ça, la fenêtre est mal cadrée?
Et ben j'ai branché la manette sur l'ordinateur et je peux jouer avec. La fenêtre est mal cadrée. Oh non! Effectivement, elle est mal cadrée. Oui, si. Il manque Cristal, le jeu. Il manquait un petit bout à gauche, effectivement. Itrus. Il manque un bout, du coup. Il va falloir ouais, il va falloir que je regarde. Flûte. Il y a des poissons empaillés. Bah oui, il y a des poissons empaillés, normal. Il manque beaucoup, c'est vraiment gênant ou ça va? Non, il manque juste la... Tu vois les chiffres? Oui, on les voit pas. On les voit pas. Ah mince. C'est un petit peu dommage. Quoi? De l'aïoli au citron? Bah oui. Pourquoi pas? Ouais, franchement, ça me... Ça me choque pas, hein. Après tout, les gens mettent de la sauce au homard sur leur pâté de crabe, alors... Partie de l'horloge aussi. Genre à droite. Ah oui. Ah mais en fait oui, en fait Et que s'est-il passé? Bah non non non, t'as raison de le dire hein. C'est bien de le voir. Encore. Il faut qu'on ait fini d'abord de... De servir les gens. C'est bien parce que là tu vois je viens d'essayer d'appuyer sur, sur un chiffre quand même. Pour te dire l'écart que je fais quand j'appuie sur les touches. Ah bon, je suis au courant. Yam crabe. On pourrait ne pas parler du crabe s'il vous plaît. Donc en fait Hendrix a découvert une allergie au crabe. C'est on l'a déjà dit la semaine dernière hein, mais oui mais bon je suis pas sûr que Varen l'ait entendu tu vois. Et du coup il est triste. Vous êtes bourré ou fatigué au choix. Allez je vais changer. Alors titre. Filtre. Ah ouais. Qu'est-ce que ça? Pourquoi est-ce qu'il y a un filtre rogné en fait? Juste pas. C'est bon là, la fenêtre. Voilà, là on a toute la fenêtre. Voilà. Faut que tu remettes le chat. Le chat. Tu vas carrément. T'as vu ce qu'il a dit, Varen? Si quelqu'un en pince pour toi, tu te mets à gonfler. Fais comme ça. Non, c'est un échec. Gonfle tes joues. Voilà. Et ben, on a fait quand même une journée argent. Oui, bah oui, mais de toute façon, on fait tout le temps des journées argent. Bah, c'est mieux que bronze, non? On est à 3. On repart, non. Gris Italie, on a 1. 4. 4. Ah, il y a plein de trucs en prep station, cool. Quelle heure est-il? Il est 1h31. Tu vois où? C'est écrit dans l'eurodatage du chat. Oui, mais c'est écrit dans l'eurodatage du chat, mais est-ce que... Ah, il est 1h32, tu vois? Ma clepsydre est toujours très à l'heure. Mashed potatoes, potato, mashed, seasoning. Ah tu vois là j'ai commencé par le truc qui cuit une plombe. Des ribs avec de la sauce. Paf. En même temps c'est vrai que c'est... Et on pose le ribs dans l'assiette. Et après on met la sauce. Bon il y en a partout sur le plan de travail. Mais c'est pas grave. C'est vrai que c'est un peu toujours paf schlap slip ce jeu. Oh mais Varen il est relou hein. Et Hendrix aussi. Du coup les deux vont bien ensemble. Hein. Arrête, tu mets du son désagréable dans les oreilles des gens. Nous on joue de ce côté. Ça c'est ce que les gens voient sur internet. Comment ça je suis plus relou que Varen? Je refuse.
répondrai pas à ces accusations fallacieuses. Tu dis que Hendrix est chieur avec l'heure, mais hier, Varenne s'est quand même couché à 21h30. Donc, des deux, je suis pas sûr que ce soit Hendrix le plus pénible avec les horaires. Envoie pas tout de suite. Ok, d'accord, envoie tout de suite. Parce que ça sert à rien, j'ai besoin de voir, moi j'ai besoin de voir les autres fenêtres qu'il y a au-dessus. Eux ils peuvent le mettre en grand sur leur écran. Oh là là, il n'y a plus le truc qui met une heure à cuire. Herp. Parce que sinon, tu vois là, ici, là-bas, il y a mon téléphone qui filme. Donc si tu te mets ici, on va te voir sur l'écran. Ce que je ne veux pas. C'est la catastrophe. Tu prends en 3 ? Oui, je prends en 3. C'est bon. Le sauvetage in extremis. Bosser c'est mal de toute façon. Bah voilà, exactement. Regarde ce que dit Varenne. Moi je trouve que c'est un des choses 2 en mode le petit chef. Il y aura des explosions, un Ecoman Ninja. Oui, ok, d'accord, forcément, avec des explosions rap, c'est clair. Après ça. Il y en a qui bossent. Ah bah, les gens qui bossent. D'accord, Varenne. Il souscrit au capitalisme pour redistribuer l'argent plus tard, tu vois. C'est comme Microsoft, quand Microsoft dit « Oui, mais vous inquiétez pas, on donne quand même aux associations de charité. » Tu vois, tu peux... ça y est, Mr. Varenne est devenu un de tes actionnaires principaux, tu peux plus le critiquer. Principaux. C'est un des actionnaires principaux, tu ne peux plus le critiquer, c'est fini. Alors, t'imagines, il me commence à mettre la pression en m'envoyant des MP en me disant... Tu sais, ce que t'as dit l'autre jour, j'aimerais que tu précises que c'était pas du tout ce que tu pensais, parce que bon, ce serait dommage. Ce serait dommage que tu te retrouves sans le sou. Sans le sou. C'est l'expression d'un autre âge. Eh oui, je suis trop forte. Et oui, je sais tout faire, exactement. Et oui, je connais tout. Mercredi. Eh ben, c'est pas grave, tu gardes le Bob. J'en ai marre. Oh là. Si, je connais très bien. Et il prévoit une redistribution des parts lors du prochain comité d'entreprise. Oh là là, non. J'arrête, s'il te plaît. Eh ben, c'est la fin de la journée, c'est le début d'une bonne matinée. T'en as ras le Bob. Je prévois une redistribution des parts lors du prochain CE. Clap. Je crois qu'il t'applaudit. Voilà. Même je l'envoie pas cuit parce que voilà, de toute façon il était déjà raté alors je m'en fiche.
Et bah voilà, on fait quand même une médaille d'argent, même si tu fais n'importe quoi. Ah, c'était ma blague pour... Ok, d'accord. Parce qu'il en avait ras le bob. Si Tommy a raté des clients, c'est pour ça qu'il garde le chapeau. Genre il y a du chili en plat et du chili en side. Vous reprendrez bien une louche de chili avec votre chili. Le niveau des blagues est énorme. Ah mince. Silence. Ça c'est MV qui le fait, ouais. Nous on ne juge pas les gens sur ce qu'ils mangent, tu vois. Ah, j'avais vraiment hâte de retrouver ce truc. Et si c'est ça, la personne a pris une part de chili et à côté, en plat, une autre part de chili. C'est parce que regarde, il y en a un, il y a du fromage, celui qui est en plat, il y a du fromage, alors que l'autre il n'y en a pas, tu vois. Pareil du coup. What is it? A pie for hand. Ah bah voilà, bah bonne chance. Bah ça fait déjà deux fois que je le fais. Ouais ouais c'est ça. C'est lui. Bah voilà, c'est facile. Chicken, laitue, bacon, tomate, bacon, chicken, laitue, bacon, tomate, bacon, tomate. Et oui, je rends plein de gens contents. Ah, j'ai raté la combo. J'ai cassé la combo. J'ai fait n'importe quoi. Et bien, je vais pouvoir récupérer le bob. Ah, il n'y a plus de chili. Non. Mais heureusement que t'as mis pour rien. J'ai un peu donné son sandwich à quelqu'un en oubliant de lui mettre le dessus de son sandwich. Ah, y'a Varine qui va bosser. Oh là là, ces gens qui travaillent quoi. Ah bah les gens qui bossent. Ils sont pas épanouis. Et ben Xoxo Varine. Bon courage pour cet après-midi. Ah bah il est 1h42. En plus comme j'ai une pince dans les cheveux, forcément, je suis obligée de mettre le chapeau n'importe comment. Nous parlerons de la direction de ce stream et la réunion des actionnaires. Capitalisme TV. J'arrête, s'il te plaît. Patatilali tati tatou. Tatilali lali tati. Tati 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 tati. Ah oui, y'en a, on discute avec eux même.
Depuis tout à l'heure, j'arrête, on parle à des gens, mais c'est pas forcément à toi, en fait. Il y en a qui écrivent, et on lit ce qu'ils écrivent, et on leur répond. Ah, Chiro, il... Tu vois, Chiro, il fait coucou, par exemple. Tu tomates. Qui s'échappe, t'as entendu? Aucun client ne s'échappera d'ici vivant. Du moins, pas avant d'avoir mangé un délicieux risotto. Non, c'est pas celui-là, le restaurant avec le risotto. Il y a pas de chef, c'est tous les deux, on a le même statut. C'est exactement la même chose. Ça s'appelle une hiérarchie horizontale. T'habiller maintenant, comme ça, ça sera fait. Ah, super, niveau 30, on gagne une demi-étoile. Et plein de stuff. Mais comment tu bourres? Pardon. Ah, ça c'est chouette. Panneau. Un mur moche, un comptoir pas si moche que ça. Un tableau en rondin. Et ben, en plus, tu vois, comme c'est vegan, on va pouvoir le mettre sur le menu. Non. Va t'habiller et arrête de te mettre là. Il y a World Tour et Eau Organique. 3, 3. Ah, ah ben, c'est le premier. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a du carpaccio et ça, ça a l'air. Le machin fourré là, ça a l'air du. Un rôti fourré peut-être aux légumes? Peut-être pas. Ouais. Voyons maintenant. Ok, il y a presque rien à préparer. Petites asperges. J'ai faim. Ah, il y a une salade de fruits. C'était pas c'est, c'est terrible de jouer à ce truc le midi avant de manger en fait. Mais justement, je le fais parce que comme ça, les gens qui ont pas faim de base, peut-être que ça arrive à leur donner faim et après ils se font à manger, tu vois. C'est motive. Petit carpaccio. Ah là, ça me donne faim. Pâte au pesto. Y'a Rena qui a... Y'a Rena qui a... Qui a fatigue sur 20. Je suis en train de me demander pourquoi je vous entends. La journée va être dure. Non mais ça va. Au moins t'es prévenu, tu le sais dès le départ que ça va être compliqué. Trier les vêtements aussi d'ailleurs. Ah ben toujours plus. Parmesan, oignon. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Je vais envoyer un truc pas cuit. Ah bah, de toute façon, j'ai raté... J'ai raté avant toi.
J'ai envoyé un truc raté. Avant que tu dises non. Juste avant. Voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça va être compliqué, hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Cut. Parce qu'en plus, tu aides la petite à faire ses devoirs, ça doit pas être évident. Hein. De quoi? Saumon. Oh, du carpaccio de saumon. Il y a aussi du carpaccio d'ananas. C'est un petit peu étrange, mais... J'arrête, s'il te plaît, va t'habiller. On a vu mieux comme journée, hein. On a vu mieux. T'as vu, il y a des murs végétaux. La tronche de cette pavine. Non mais oui, mais il y a des gens, ils ont l'air tellement vidés, tellement. Oh bah oui, bah allons-y. C'est la journée de la allons-y, côté, oui. Oh, 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 oh. Non, non, non. J'ai pas le droit de manger mon clavier. C'est mon clavier. Ah et j'ai pas le droit de le manger. Non, c'est mon clavier. Si c'était le tien, ça me dérangerait pas, mais c'est pas le tien. Vous êtes mauvais. Rena, bon, hein. Faut pas trop en demander. Moi aussi je peux crier, hein. Mais surtout fatigué. C'est pas très compliqué à faire ça en fait. Spin. Ah, plus c'est ça. Okay, c'est très étrange par contre. Bah, je pense que c'est effectivement un filet coupé en deux. Oh là là, regarde ces gens en costume et tout. Le mec va manger un rôti à lui. Pas forcément, c'est peut-être pour la table qui commande. Je sais pas. Il mange un rôti tout seul. Normal. Apple. Oh. Avec de l'huile de truffe. Oui, t'as vu, avec de l'huile de truffe, c'est voilà. Hein. Disons que je l'aurais pas tenté, voilà. J'aurais tenté que si on m'avait dit pour la science. Quoi. L'invocation du pour la science. La longe de porc. Ok, de la longe de porc. Ça fait quelle taille comme morceau? Pas mal. C'est cool. Oh là là, des petites pâtes au poivre. Oh non. Ah si. Quoi? Non, le poivron. Les pâtes, pas trop. Oh, les poivrons partout. Poivron. Poivron, non. Poivron dans la salle de bain. Oui, ça j'ai remarqué. Quoi? Eh ben c'est la fatigance, voilà. Ah. Je pense qu'on fait encore un comme ça. Oh, il y a des belles banquettes. Je pense qu'on fait encore un comme ça et on fera un dans notre resto. Ouais. Alors. World Tour. Sub-solution. On a fait. Ouais, on fait 4 là. 4 à Pirate. Pas 4. Eh ben allons-y, hein.
La longe de porc est constituée par la moitié de l'échine, c'est un morceau de la partie supérieure du cou, coupé dans le sens de la longueur avec les vertèbres. La longe de porc est une viande savoureuse et tendre, utilisation rôti ou côte de porc de première qualité. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Crust, pumpkin. Cookie. Bam, dark chocolate. Parfait. Muffin, cranberry. C'est parti. Tart, crust, piche. Piche. Overhead. Muffin. Blueberry. Dark chocolate. Alors déjà, je pense que tu peux récupérer ceci. On va effectivement recommencer parce que voilà, on est tryharders, donc on t'envoie au tout début de la journée, on restart le jour. Voilà. La tarte aux cerises, la fameuse tarte aux cerises. J'ai fait la même chose que d'habitude. J'ai envoyé un truc pas cuit en appuyant sur le truc d'à côté. Reina, tu vois, elle est fan de tarte aux cerises. Ouais. Elle veut en manger pour son anniversaire. Mais ça fait trop chier sa famille. Du coup, ils font pas de tarte aux cerises pour son anniversaire, tu vois. Mais quelle bande de mécréants. Des gens pas sympas sur moi. Genre, t'as même pas le droit de choisir ton gâteau d'anniversaire, quoi. Je me casse tellement le fion pour vous, en plus, pour vos anniversaires, que je trouve ça super bizarre que les gens le fassent pas. D'ailleurs... Ça fut rapide. Le nain m'a dit que pour son anniversaire, il veut un gâteau au chocolat en forme de château fort. Ok, d'accord. Bah écoute, on va essayer, hein. Un gâteau au chocolat en forme de château fort. Donc voilà, donc t'as 8 mois pour préparer ça. Je ferai des photos. Raté. Strawberry, cookie bits. Pas de chance pour le gâteau. Je ne vois pas de quoi tu parles. Oh, ça se fait. Je sais pas comment on va faire. Mais écoute, bonne chance. Hein. En fait, très exactement ce qu'il faut faire, c'est des cakes comme ça, tu vois. Et après, on utilise de la ganache au chocolat. Et on les assemble, c'est ça. Et on fait un... On les empile et on les assemble. Ça va être compliqué. Ça va être rigolo, ça va juste prendre du temps, mais ça sera rigolo. Aline. C'est vrai. Tire au chocolat. Oh non, on nous attaque. Hard candy. Et la crème fouettée. Voilà, le plus long ça va être de cuire les gâteaux. Mais bon, on a deux moules à gâteaux, trois. On en a même un en forme de cœur. Donc, qui est très pratique. L'aile. Oh, franchement, ça passe. Faut juste attendre qu'il soit froid et comme ça on arrive à le retirer. Qu'est-ce qu'on avait fait comme gâteau dedans? C'était un gâteau au chocolat? C'était un gâteau au chocolat, c'était pour l'anniversaire, pour l'emmener à l'école. On l'avait fait avec quelle recette? On l'avait fait avec un gâteau tout prêt. Avec un gâteau tout prêt. Parce qu'on était en pleine galère. Vanille. Voilà, une petite tarte à la banane. Sirop de chocolat. Crème. Quoi? Bah écoute, tu mettras le chapeau, c'est pas grave. Mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vanille. Ah, ça m'énerve quand je perds et que je comprends pas ce qui s'est passé, quoi. Vraiment, ça m'énerve. On va demander à Reina de nous faire le replay. Pas les yeux sur l'écran partout en même temps. Bah, quand elle ferme pas la fenêtre, je pense que oui. T'es habillé, toi? Super. Le t-shirt, c'est dans le pantalon, jeune homme. J'ai fait exactement la même chose que tout à l'heure. Ça me rend dingue. Mais c'est peut-être que la personne voulait pas la même chose que tout à l'heure. Ça me rend dingue. Non, elle voulait exactement la même chose. Elle voulait le truc en German. J'ai fait le truc en German et ça n'a pas marché. Elle voulait un German suplex.
Ah ben bravo Reyna, on n'a pas vu, on prête même pas attention au stream, bravo. Oh t'as fini d'être désagréable, relou sur 20 quoi. Peanut. Petit cookie au beurre de cacahuète. Elle est où ma lemon? Chocolat. Oh, des petits muffins au chocolat. Tu m'as payé 12 000 euros. Je dirais que tu as fait de la merde, voilà. Je bananonne. Je bananonne. Répéter 50 fois la même chose, j'arrête. Rocky Road, chocolat, sprinkles, oui. Rocky Road. Chocolat, sprinkles. Pomme, lattice. Ça va, on s'en sort? Banane. Oh, je sais pas si je suis plus rapide que Tommy. Un Smith. Je mettrai dans Tipeee à partir de 12 000 euros par mois. Je peux payer un service. Je peux demander un service à Reyna. Tu as loupé une couche de crème entre les deux gâteaux, cher Hendrix. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et t'as même pas récupéré le chapeau en plus. Oui, ben deux secondes. Hein. C'est un peu la panique. Tiens. Tu vas voir qu'ils vont. Il y a quelqu'un qui va arriver, qui va demander un truc. Non, c'est bon. Bon, la facture est montée, je suppose. C'est Tommy qui a perdu. Même si j'ai perdu du coup. Quoi, il est bien chez nous? Non, on avait commencé. J'ai commencé un peu plus tard, donc on peut refaire encore un resto classique. Et après on fait chez nous. Ok. Oui, mais j'ai commencé tard, donc du coup, on va finir plutôt à 14h20 à la pendule là-bas. Faudra que je remette à l'heure cette pendule d'ailleurs. Ça. Strawberry. Une salade de fruits. Ça, c'est bon. Ça, on connaît. Le Mac Morning, on connaît. Avec le biscuit. Ah, bah ça va. On a que des sides faciles. C'est pas qu'ils volent, c'est qu'on est en haut d'une tour. Parce qu'il y a plein de pays où il y a des endroits, voilà. Et on est très très haut. C'est bien du coup, maintenant que tu vas habiter pas loin, du coup on pourra stream ensemble. Ah bah non, t'es pas là à minuit. Bah oui, voilà. Je suis déçu. Bah oui, mais Et bah moi j'en ai mangé et clairement c'est pas top, hein. Les Mac Morning c'est un peu triste. Il paraît qu'il faut travailler pour gagner des sous en même temps, donc Ah
que ça me fait très envie, hein, mais... Mais ça rend la situation plus confortable. Bosser, ça sert à rien. Tu sais, Rena, on comprend très bien. Ah, bon après-midi, Shiro. Bon courage. Salut, Xoxo. Je pense que tu peux comprendre qu'on est heureux de ne plus vivre chez nos parents respectifs. Non pas que... qu'on juge le fait que tu vis chez tes parents, franchement tu fais comme tu peux. Non, voilà. Et disons que nous on a moyen de faire autrement, on essaye de faire autrement parce que c'est quand même super pénible. C'est super pénible de devoir se taper des gens qu'on n'apprécie pas et qui ne nous apprécient pas particulièrement. Enfin, moi c'est pas le problème. Ou qui sont juste pénibles, voilà. Ça c'est plus le problème. Bon, c'est pas tout le temps, mais bon. Y a des fois t'aimes bien avoir ta tranquillité, quoi. Et oui, voilà, bah oui. Même t'es chez toi, t'as ton intimité aussi, c'est quand même pas pareil. Ton intimité, tu fais ce que tu veux, voilà. T'as ton planning, t'es pas sur le planning de quelqu'un d'autre, enfin. Mais bien sûr, voilà, tu vois, le souci, c'est qu'il faut avoir suffisamment de pognon pour... Voilà. Ah, petite levée du niveau. J'arrête, s'il te plaît. Bon, faut avoir suffisamment d'argent pour pouvoir le faire, et on sait que c'est compliqué. Ouais. Et du coup, ben, je vais travailler. En fait, ça serait bien si les parents ils étaient moins pénibles, tu vois, tu pourrais vivre chez eux sans que ce soit super difficile et qu'ils passent leur temps à te prendre la tête. Et comme ça, en même temps, t'aurais pas besoin de dépenser autant d'argent qu'on en dépense de manière générale. Ouais, enfin, moi je préfère vivre chez moi quand même. Bah, si tes parents étaient pas pénibles, peut-être que t'aimerais bien vivre chez eux, tu vois. Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien avoir mon environnement qui m'appartient. Un appartement, que je gère comme j'en ai envie. C'est pas moi. Moi c'est plus une question de ça que de vraiment habiter avec des gens relous. Ils sont pas spécialement relous, mais pas. Enfin, un petit peu de temps en temps, quoi, mais voilà. Un petit peu. Ben, je garde le chapeau, hein. Dommage. T'es raté. T'as raté une recette. C'est ça. Ah, j'ai raté une recette. Écoute. Ben voilà, on est deux maintenant. Mais il n'y a qu'un seul chapeau, c'est dommage. Une gagne. Bah. Oh là. Mon contrôleur qui se déconnecte. De retourner vivre chez mes parents quand j'y étais obligée. Pareil pour moi. Je souhaite à personne de voir retourner vivre chez ses parents. Souvent, c'est très pénible. Les poches, essaye de remettre les poches correctement dans ton pantalon. Oui. Je sais que moi j'ai dû le faire après 3 ans d'internat au lycée et 2 ans d'études supérieures où j'étais seul. Enfin,
parti, j'ai dû revenir, et ben j'étais pas content. J'étais pas content. Après 2 ans de vie en appartement. Ah! Et bah on est parti pour notre resto. Ouais. On aura un petit Far East et un petit Sushi Nest pour la prochaine fois, tu vois, qui nous attendent. Ah bah oui. Sachant que je peux encore stream lundi prochain normalement. Ah, et ce sera mais ce sera la dernière fois. Et siège. Bah regardez celui-là. Si non. Ouais, c'est sympa. Ça fait un peu de blanc au milieu de tout le du tout rouge en fait. Donc on va mettre ça. Non mais tu veux pas enlever les autres d'abord? C'est plus facile de les positionner. Ouais ouais. Arrive au nombre maximum. T'as oublié celui à gauche. Attends. Bouffe. Ouais, c'est une solution aussi. Mais bon, au final, tu te retrouves quand même dans une situation qui est pas évidente, quoi. Petite plante. Jolie plante. On va les mettre en place. Ah là là. Y aurait-il un bug? Il faut que tu les bouges sur la droite. On a déjà des tableaux. Je vais regarder ce qu'il y a comme. Oui. Je vais regarder ce qu'il y a comme lampe. Bah, elles sont bien ces lampes là, je trouve. D'ambiance, tout ça. Oh là là, attends. Ah, parce qu'on a celles-ci qui sont. Refais voir, retourne avant. Avant. Ouais, celle d'avant. Genre ça là. Ah, pas mal, not bad. Ça vous dit très très bien éclairé. Je sais pas, je serais plus pour celle-là. Ouais, c'est pas mal. Ils sont bien. Moi j'aime bien ça parce qu'on y voit bien. On y voit bien. En comptoir, on a toujours des comptoirs pas très beaux. Petit comptoir en marbre. C'est pas mal, tu l'as. On prend, tu l'as. Ouais, c'est pas mal. Bon, on le voit jamais de toute façon. Donc. Genre sol en marbre, comptoir en marbre, voilà. On va mettre les cannolis. Non. Ah non, non. C'est bon, tu non, vas pouvoir non, faire non, retour. Non. Ah. Fais B. Je vais éditer le menu. Y a pas moyen d'acheter. Si, c'est dans Food Catalogue. Side. Pourquoi tu veux des sides? Pour en avoir un petit peu plus cohérent, tu vois. Ah ben, descends parce que là pour l'instant c'est. Les cookies. Ça passe. Donc on a de l'argent. Que les cookies. On a les toasts aussi. Les toasts éventuellement, ça passe bien.
Des oignons ring. Des oignons ring. J'ai envie de manger des oignons. Ouais, où ça? Voilà, comme ça. Les oignons ring, comme ça, on aura le mais choix. Mais ça va pas du tout avec notre... Vas-y, change les sides. Alors, edit sides. Tu peux mettre qui et toast. C'est quand même plus cohérent. Mmh. Edit drink. On va mettre la bière. Non. Faudra quand même qu'on fasse un vrai restaurant quand même. Bah franchement là ça passe non? Oui enfin c'est que des trucs. Bah c'est des trucs sucrés mais c'est peut-être un restaurant qui est spécialisé dans le sucré tu vois par exemple quand tu vas chez un glacier. Oui. Ouais. En avant. Bon, on est juste un glacier avec du sol en marbre, un comptoir en marbre, un glacier classe, un glacier. Ah, il faudrait peut-être que j'achète une prep station supérieure en plus. Ah, on peut acheter des prep stations. Je crois. T'es sûr? Non, tu sais pas. T'es sûr que c'est pas des trucs qu'on débloque au fur et à mesure juste? Je sais pas. Bon, regardez. Parce que regarde, on a pas beaucoup de comptoirs au final normalement. Je crois qu'il faut faire... C'est un salon de thé, bah oui, c'est un salon de thé. Mais classe. Pour les gens qui veulent se la jouer plus. Oui. Le temps qu'on fasse la liste de courses, tu pourras jouer. Ah oui, mais du coup, on a plus de sides qui sont prêts direct. Avant il y avait une onigiri qui était prêt direct. Oui. Et du coup là il faut attendre que les sides soient prêts. Qu'ils cuisent. Hyper méga content, c'est ça. Nos clients sont hyper méga contents. Les avis sur Facebook disent hyper méga contents. C'est juste qu'on voyait pas les étiquettes. Mais on la voit là, les étiquettes. Non. On refera un resto, on refera ce resto là après. J'aimerais voir pour acheter une. Mais on n'arrête pas après celui-là. J'aimerais acheter une prep station supérieure. Ah ben. Non, on peut aller regarder ça, mais on est obligé de refaire une journée. J'arrête, s'il te plaît. Eyeliner, banana. Fiber Blast, milk. C'est un salon de thé dans lequel les serveuses, elles vont bourrer la poubelle avec leur grosse. Genre les serveuses, elles sont orange jaune. C'est ça. J'arrête s'il te plaît. Normalement, si je glisse pas là aujourd'hui, on va prendre. Si tu glisses pas, mais faut pas glisser quoi. En vrai, un petit salon de thé où tu peux commander des petites sucreries, genre tiramisu, muffins, cookies. Toi, ça
c'est en vrai, hein. Regarde, t'es en train de passer, tu nous as commandé un truc, t'es passé direct, toi, dans ta vie. Quoi ? Je peux voir ça, pouf, on te l'a lancé sur la tête. On te l'a lancé, bam. Regarde, elle a même pas le temps, elle a même pas le temps, pas le temps de niaiser. Genre, un tiramisu, oui, tenez. Oh, ça y est. Plus de side. Tiramisu, mais c'est combien de parts un tiramisu ? 6. Oui. Chaud. C'est vrai qu'en plus il va falloir qu'on change de menu. Oui, parce qu'il y a des trucs qui stay là. C'est pas grave, on a des presets faciles pour changer de menu. Je pense que ça sert à rien de refaire des sides maintenant. Bah tu pourrais juste patienter avant. Non. Si on en refait maintenant, on peut les donner aux employés avant qu'ils s'en aillent, tu vois. Journée parfaite, bah voilà. Et regarde, un petit pot de fleurs. Un palmier. Un red ketchup. On a servi 7839 personnes. Du coup, est-ce que ça serait pas... Non. Equipment. Non, c'est pas dans l'équipement, je pense. Non, c'est pas. Je crois vraiment que ça se débloque au fur et à mesure en faisant le resto. Tu vois, l'instant, c'est marqué là. Et... Ouais, bah tant pis, pas grave. Pas mal déjà. Ouais. Faudra juste qu'on fasse le premier un peu plus sympa parce que là. Ouais, il faut qu'on fasse un truc où on mange. Là, c'est vraiment... un peu trop déconstruit. Ouais, ouais voilà, genre. Aubergine, bretzel. Je perds mon... Et bien sur ce, nous, on va vous abandonner pour l'après-midi. On va vous souhaiter un bon après-midi. Voilà. Et puis, on se voit demain. Bon après-midi. Lundi prochain pour moi. Normalement. Peut-être. Peut-être. Et qu'est-ce que... Voilà. Et merci d'être passé. Merci Yana. Des bisous, gzo. Oh là là. On verrouille image, bravo. Bravo, on essaye de crier dans le chat.